Bonjour, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour vous montrer quelques créations. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce que je lui mets, mais je vais montrer les créations que j'ai faites, certaines que vous aurez vues, d'autres non, pour mon amie Corinne. Corinne Strapp. Donc déjà, je lui ai mis le tag que j'avais fait. D'ailleurs, il faudrait que je mette la feuille blanche. Je ne l'ai pas encore fait, il va falloir que je le mette de côté. Donc ce tag avec la clé et j'avais fait ça pour un partenariat In Love Art. J'aime beaucoup les couleurs, tout ça. Donc c'était en mix média. Donc j'espère que ça te plaira, Chlorine. Ensuite, je ne sais plus si celui-ci, je l'avais fait avec vous ou pas. Ça ne me dit rien. Donc j'ai mis un apron, une découpe. Du papier à action, du cardstock blanc, une image de Pinterest avec du papier pailleté en dessous, du ruban organza gris et rose. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis une pochette pour le tag et j'y ai fait des petites. Comment? Je suis en train de me demander si c'est des demi-perles ou si non, c'était des demi. C'était avec du nouveau ce que j'avais fait. Donc là, il y a un badge, il y a une petite fleur. Je ne sais plus si je l'avais fait avec vous. Il y a un petit napperon. C'est embossé en dessous. Et le petit cadre avec la petite photo. Et plein d'énamel dots, quoi, en gros. Voilà, puis le petit papier. Je lui ai mis deux Zatecoin qu'il me semble qu'on avait fait ensemble. Donc voilà. Donc la collection, c'est Happy Time. Bah, le titre de la série. Je suis fatiguée. Demain, je reprends le boulot. Donc, je fais mes vidéos. Donc, quand je fais mes vidéos, je les fais avant de. Comment? Comment ça s'appelle? Avant de l'envoyer, je ne mets jamais mes vidéos. C'est pour ça que la vidéo de Marie-Christine, malheureusement, c'est pas resté. Donc, ensuite, une carte. Je ne sais plus si je l'avais faite avec vous, avec une image que j'ai crochetée. Une petite fleur que j'ai faite moi-même. Une petite attache parisienne, une petite dentelle. Il faut que je la remplisse. Là, je lui ai fait une boîte donc avec du papier action. Comme quoi que le papier action ben, va très bien pour ce genre de choses. Là, c'est le nouveau ruban que j'ai acheté. Et à l'intérieur, j'y ai mis des créas. Donc, j'ai mis ça. Donc là, j'ai fait une petite pendouille. Avec un. Ben, c'est une petite déco que j'avais fait à part, il me semble. Je suis en train d'hésiter là. Et ça, je ne sais plus si je l'avais fait avec vous ou en dehors. Donc voilà, il y a une série de petits tickets avec les oursons. Ourson douceur et douceur d'enfance, adorable ourson. Ensuite, je lui ai mis une petite gourmandise. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, je lui ai mis le petit pot que j'avais fait pour mon partenariat avec Cat Love Store, si je ne me trompe pas, oui. Je l'ai mis dedans. Ensuite, je lui ai mis le mini, tout mini de Saraké, ce que je trouvais mignon. Ensuite, je lui ai mis deux petites accroches comme ça que j'ai faites. Par contre, il faut que je retrouve dans quel sens ça va. Voilà. Donc ça. Mais normalement, vous les avez vus, on les a fait ensemble. Et celui-là avec la petite choupette. Je lui ai mis
une Sarah qui est crochetée, les lapins de Tilda et des roses, tout simple. J'ai mis que des images crochetées parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Et je lui ai mis de la résine, des petites cuillères, une théière, le petit cheval. J'aurais voulu faire plus, mais là j'ai pas beaucoup de temps, je reprends le travail. Et vu le nombre d'échanges et la chaîne, je vous avoue, j'ai pas eu le temps. Mais bon, je me rattraperai plus tard, Corinne le sait. Et ensuite, j'ai fait une boîte. Donc là, sans fenêtre, pour y mettre le flip tag qu'on avait fait ensemble lors du live. Donc je l'ai décoré avec un embellissement à la façon de Angélique et de JK, de Hanche Scrap Créa ou Hanche Créa Scrap, je sais jamais le titre. J'ai mis des papillons que j'ai ancrés là et là j'ai mis du blanc. Celui-ci, c'est Nancy qui me l'avait envoyé, celui-là non. Là j'ai fait une fleur, j'y ai mis vous savez du diamond dust pour faire briller, j'y ai mis des feuilles que j'ai ancrées moi-même, de la dentelle, en dessous il y a de la broderie anglaise, un apron papier et de la gaze, et là il y a le papillon avec la collection du flip tag. Donc au-dessus du flip tag je lui ai mis un petit cœur avec une saraquée que j'aime beaucoup, que Sophie m'avait envoyé. Par contre, oui, je viens de voir qu'il y a un fil de colle. On va l'enlever. Voilà, c'est fait. Je lui ai mis des petites étiquettes. Et dans une serviette que Nathalie m'a offert, je lui ai mis le flip tag. Donc, vous, vous n'avez pas vu avec la... Comment? Avec les rubans. Donc là, c'est la première image, donc avec le cadre, les fleurs qu'on a fait ensemble, l'image crochetée. Derrière, pour camoufler mon trou, j'ai mis une dentelle et là, j'ai mis un die-cut rose. Et le reste, normalement, vous l'avez vu. Bon, j'espère que ça plaira à Corinne. Je pense qu'elle devrait aimer. Il est assez simple, mais je l'aime bien. C'est en train de se carapater. Je vais le remettre correctement. Hop. Et voilà. Donc Corinne, si tu passes par là, je sais que tu regardes les vidéos mais que tu commandes pas. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire pour toi, même si je ne l'ai pas dit quand j'ai fait la vidéo. Et la serviette, ben, tu la récupéreras pour faire des choses. Donc je vais mettre ça en dessous, le cœur au-dessus. Et voilà, donc c'était pour vous présenter ces petites créas là que je lui avais faites et la boîte que j'avais fait pour y mettre le flip tag parce que je trouve que c'est pas mal de le mettre dans une boîte. Donc j'ai pris la même façon que ça, à part que j'ai pas fait de fenêtre et j'ai adapté les mesures au flip tag, quoi. Là il y a 5 cm, je sais pas si en mesure ils sont. Ah bah si, elles sont pareilles. En longueur, mais pas en largeur. En largeur, il est un peu plus grand. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser ça, voilà, en présentation. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo présentation de créa, en fin de compte, que j'offre à une amie, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.